Priscilla doit se ronger les sangs. Je dois encore passer chez Rotlek. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubio est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotlek qu'il a une bonne explication. Qui est Rotlek ? Tu ne connais pas Henri Rotlek, le célèbre portraitiste ? Tu as fait appel à un portraitiste pour dessiner tes affiches. Henri est un vieil ami. Il avait besoin d'argent. De toute façon, il fallait bien de nouvelles affiches pour l'inauguration. Les sièges ne vont pas se remplir tout seuls. Laisse-moi parler à Rotlek et rentre au Thym et Romarin. Sinon, Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment ? Tu ferais ça ? Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Allez. Je cherche Rotlek. Bienvenue au club. Ce maudit Alflin doit de l'argent à la moitié de la ville. Je suis venu me servir avant que les charognards débarquent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fous le camp. Premier arrivé, premier servi. Ce que tu veux, je veux juste des affiches. T'es sourd ? Tout ça est à moi maintenant. Va te faire mettre ailleurs, sale mutant. Et moi qui pensais régler ça à l'amiable. Non ! Tu vas le regretter, mutant. Rotlek, où est-il ? Au domaine Vegelbud, comme d'habitude. En train de perdre tout son or aux courses. Ben voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Des mutants, des blasphémateurs. Yeah.
Touche-toi. Tu as du sang. Oh. Plus vite. J'aurai bientôt plus le choix. Ah, allons, allons, vieille branche. C'est impossible. C'est vous, Rotlek? Henri Rotlek, artiste, peintre, prêteur sur gage et martyr artistique. Pour vous servir. C'est Jasquier qui m'envoie. Ah, je vois. Vous pouvez le rassurer, ces affiches sont terminées et cachées en lieu sûr. Hélas, des créanciers courroucés ont envahi ma demeure. Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous comprenez mon problème. Le comte de Louverten m'offre une chance de me refaire, si je gagne mon pari sur la prochaine course. Alors où est le problème? Vous avez une chance d'effacer votre ardoise et de repartir du bon pied. Je suis poursuivi par la poisse ces derniers temps. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. Écoutez, je vais m'inscrire à la course. Pariez sur moi, remboursez vos dettes et ensuite vous pourrez me donner les affiches. Vous êtes bon cavalier. Je me débrouille. Allez dire au comte que vous acceptez son offre. Et ce fou qui roule en ville en étranglement d'endurance et prospérité. Du nerf, Hamlet. C'est pas encore une idée de même pour purifier la vie. Franchement. Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité? Disons juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. Je peux avoir les affiches maintenant? Oui. Je les apporterai aux Thym et Romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. À plus tard.
l'harmonie entre la monture et son cavalier. Ne dirait-on pas deux vieux amants ? La synergie est parfaite. Une trogne aussi blanche que celle d'un meunier. Du nerf, Ablette. Caméléon. Grande inauguration ce soir. Ne manquez surtout pas le coup de la soirée, une représentation exceptionnelle de Maître Jaspier. Bien, c'est vraiment joli par ici. Non, ça ne... Eh bien, les ouvriers n'ont pas chômé à ce que je vois. C'est pas mal du tout. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Surtout les ornements sur le mur. Bon, et Rotlek, tu as récupéré les affiches ? Rotlek doit les apporter lui-même. Il ne devrait plus tarder. Parfait. C'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais changer le nom ? Le thym est romarin, ce n'est pas si mal. Mais ça évoque un peu trop la cuisine témérienne du terroir, des serveuses en costume traditionnels. Le caméléon, ça sonne beaucoup mieux pour un cabaret. Et puis surtout, ça annonce à tout le monde que l'endroit a subi une transformation. Tout est prêt ? Tu as prévu une date pour l'inauguration ? C'est pour bientôt. Nous allons commencer la répétition dans une petite heure. Je dois juste rentrer me changer. Merci pour tout. De rien, je t'en prie. Mon rêve de cabaret va enfin devenir réalité. Je te paye un verre pour filer ça ? Merci, mais je ne suis pas d'humeur. Comme tu voudras. À moi, en tout cas, je vais pas me gêner. Le contremaître m'a dit qu'il t'avait vu discuter avec Priscilla. C'est vrai.